Premier point, la bêtise de Serge Aurier et de Thiago Motta. Je fais un package. Je les mets tous les deux ensemble parce que le comportement de ces deux joueurs sur ce match-là est pour moi. On rappelle Aurier expulsé. Expulsé Aurier et Thiago Motta qui rentre, qui prend un jaune et qui aurait pu être expulsé quelques secondes après. Il n'est pas expulsé parce qu'Aurier est déjà expulsé. Sans doute que dans l'esprit de l'arbitre, ça joue. Donc la bêtise de ces deux joueurs-là. Deuxième point, le déchet technique incroyable ce soir du PSG au milieu de terrain. Un chiffre, on pourra le développer. 26 ballons perdus pour Angel Di Maria. 26, c'est incroyable. Et même c'est Florent, incompréhensible. Il a perdu la moitié. Exactement, donc là, c'est un pur problème technique. Et puis, le problème mental, aucune révolte. Ouais. Parce que ça peut arriver. Un fait de jeu, on prend un carton, un penalty, on est mené à zéro. C'est ça, mais les matchs. La réaction derrière, elle est où? Pas de signe de révolte. Thiago Silva, totalement absent ça, dans son la réponse, comportement. Ça, Loïc. Il n'y a plus aucun joueur qui gueule sur le terrain pour remonter les troupes. Il ne se passe plus rien après. Mmh. Alors que le PSG, ces dernières saisons, on l'avait dit, est une équipe de caractère. Au-delà de l'aspect technique, quand ça se passait mal, il y avait quand même des tauliers pour remobiliser tout le monde. D'un point de vue mental, là, absence totale. C'est aussi peut-être de mauvais augure, on va dire, pour la suite de la saison. Non, c'est très mauvais parce que, bon, au début, je ne m'inquiétais pas. Pour Unai Emery, le travail qu'il a fait à Séville, il peut le faire aussi au Paris Saint-Germain, je ne m'inquiétais pas. Mais en fait, je me suis dit, ça va aller mieux. Ça va mieux jouer. C'est le temps que les joueurs s'adaptent à la façon de travailler, à la perte du ballon, le travail d'entraînement qui se fait à match, c'est une chose. Mais en fait, je me suis rendu compte, et ça, je m'en veux de pas l'avoir vu avant, c'est-à-dire, et c'est important, un vestiaire de leader. Et là, je me suis dit, j'ai compté, Ibrahimovic s'en va, leader important. Maxwell est mis sur le côté avec la titularisation de Kurzawa. Deuxième leader important. Matuidi, on n'en veut pas, donc tu comptes pas autant que ça dans le cœur du club. Là aussi, tu décales un leader qui se sentait leader, qui remettait tout le monde, et quand ça n'allait pas, il mettait la pression. Et Thiago Motta, qui se retrouve remplaçant, joue Krikoviak, remplaçant, je ne peux pas le sortir. Et à quelqu'un qui voit tout ça, qui se dit, je ne suis plus dans une grande équipe, et moi aussi je ne me donne pas à fond, c'est Thiago Silva. Ça fait beaucoup de leaders qui sont en train de s'effriter progressivement. Et c'est pour ça que tu n'as pas d'équipe. La gestion d'Emery pose question. Alors la gestion de tout, de l'effectif, de ce que tu dis aussi sur la compréhension... La fébrilité des leaders. La fébrilité des leaders, parce que quelque part... Il les a fragilisés de suite. Il en a fragilisé certains. Maxwell qui a disparu. Absolument. Alors que c'était un leader quand même. Il revient bien. Ouais, mais il revient bien. J'ai pas trop envie, moi, de pour le coup, ce soir, de pointer du doigt Emery. Je suis désolé. Sur le choix des hommes, sur la compo, attention, j'ai pas grand-chose à dire. Je parle pas d'Emery. Je te parle que tu veuilles ou pas, les leaders ont été fragilisés. Et pour les remettre à sel... Mais regarde, Maxwell, il revenait bien depuis deux matchs, là. Et il a été plutôt pas mal, lui, pour le coup. Non, mais il revient, lui, parce que ça a toujours été un professionnel. Oui. Mais il revient en sachant que c'est pas lui. Ça sera Kurzawa. Tu vois, un mec comme Di Maria, par exemple, qui n'arrête pas de jouer. Je crois qu'il est dans le top 3 des joueurs les plus utilisés par Emery depuis le début de saison, crois, de mémoire, Di Maria. Mais c'est pas possible. Lui, on peut pas incriminer Emery par rapport à son rôle. Tu as raison sur la gestion. C'est des cas individuels. Ça, c'est de la gestion d'Emery, effectivement. Lui qui dit qu'il n'y a pas de statut, comme disait tout à l'heure. Di Maria, je Di Maria, lui, pour l'instant, on peut jouer.